Bonjour tout le monde, bienvenue sur Channel Paula. Si c'est la première fois avec nous, pas bon ici, là, pas oublier que l'on va aller. Il y a un bouton rouge, pesez-le pour capable et inscrit avec nous. Nous voulons porter pour vous une nouvelle qui fait connaître que, eh bien, il y a un groupe haïtien immigrativiste. Là-dedans, il y a par exemple plusieurs leaders. Ils ont entré dans la bataille là pour bloquer la décision de Donald Trump se prend pour le camper programme qui relève. Haitian Reunification, c'est un programme qui permet que lorsque famille ont appliqué résidence pour en Haïti, programme ça permet que avant que tout bagaille fini, ou qu'à entrer dans le pays en attendant de fonctionner, travail, en attendant qu'on rejoigne résidence là. Il y a le Family Reunification. Donc un programme qui est très intéressant, nous connaissons que semaine dernière la président et a dit ça dans ton plan, t'es dit que décision, il prend décision que l'IPRAL mettait fin à programme. Eh bien, activistes, divers et leaders locaux, non, y a un groupe peut-être à travers institution ça qui est les Family Action Network, ok, pour dénoncer plan ça, plan pour terminer programme ça qui c'est Haitian Reunification Program. Et vous faites comprendre que si Donald Trump pas mettait un frein avec le projet ça qui est dans tête hier. Eh bien, yo pral mener dans le tribunal, yo pral mener dossier à dans la cour. Et groupe ça qui c'est Family Haitian Network là, c'est pas première fois d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui te mené Donald Trump dans la cour, dans cause de New York pour bail TPS. Ça côté que dossier ça a gain décision prend sous lui. By the way, on ouvre parenthèse pour tout le monde. Dossier TPS, ça pas oublier que haïtien lui-même, on te toujours dit ça le corps est deux côtés. On te porte information pour nous qui effectivement dit que bagarre en danger parce que actuellement là, depuis mercredi à pile côte à tant des dossiers. Jean trois juges ont parlé, vraisemblablement, ils ont parlé dans même sens à Trump. Comme quoi que, ils ont parlé lever préliminaire injonction pour que TPS a fini. Mais divers qui gagnent pour Haïti, son parenthèse à vous, c'est que Haïti n'est pas seulement deux procès que le gagne Trump, il gagne ça en Californie, mais bon, l'autre dans New York tout. Donc, même lorsque Trump a gagné à pile l'effet fait là, eh bien, Haïtien a toujours une bataille parce que. Décision qui pral prendre à pile côté pas affecté ça qui te prend à New York là. Donc nous voulons clarifier ça justement pour façon vous dire que haïtien yo toujours dans bataille. Maintenant on avance avec dossier ça n'a dit ya. Donc n'a parlé de programme spécifique ça qui relait Haitian Family Reunification et gon bon moun qui te commencé depuis 2016 actuellement gon bon moun dans pays ya qui sous programme ça il te dit bien ou même qui gant dans pays ya sous programme ça on met tête frette même lorsque Donald Trump ta pral terminé, li pa ka rétroactif, li pa ka bon problème. Mais attention, si veye que vous parole pa pa fini, pa expiré parce que ou ka gen difficulté, pa difficulté la même possible, une fois que ou dit fini, même dans le pays a ou quitte parole ou fini, ou pa allemand de renouvellement, donc automatiquement on sous déportation. OK. On clair sur ça. Maintenant ça n'a dit là c'est que eh bien Haitian Family Reunification Program là, li gen la dani Marlène Bastien, yon nom que nous tande souvent dans communauté haïtienne là. Il est toujours impliqué dans différents combats. Et c'est lui-même qui est directeur exécutif et fondateur de Family Action Network Mouvement. Et il était relayé ancien nom, c'était Haitian Women of Miami. Donc, il dit que lui-même, il va utiliser tous les outils que vous avez à la disposition pour que, eh bien, le programme Haitian Family Unification ait été intact. Maintenant, ça qui est de discriminatoire dans le dossier, ça m'a rappelé que Cuba a un programme comme ça. Par contre, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Cuba a un programme côté qu'effectivement, eh bien, il y a un Cubain, l'elfil pour famille, il va permettre que mon envini retourne résidence, favorise en attendant que les joignent résidence. Et programme ça, ce n'est pas tout le monde, il fait sélection. Ou gen doit faire pour former pour pas éligible, yon gade qui va l'être temps. Généralement, depuis yon temps pral presque arrivé, yon 2 ans ou 3 ans, yon gen doit faire moun rentrer. Ok, c'est qu'on a altéré, nous pas raison de la Trump attaquer programme. Sans dire que tout ça qui allait dans le sens, haïtien monsieur attaqué yon. Alors que, ou elle va dire, hein, sous ta palais de équité, ou campé tout programme, non, pour qui ça va camper programme, ça qui l'a pour Cubain. Donc voilà. Nous pas attendre, justement, et Marlène Bastien, justement, qui tape bas détail, sous qui j'en yon même yon continue fait bataille ça. Et pour yon capable de kembe programme ça, qui c'est Haitian Reunification Programme, parce que nous voyons que Donald Trump, nous voyons de manière, en fait, la fait toute démarche pour lui
on dit mettez bâton dans les roues de immigrants en général. En fait, ce travail ça l'a fait. Donc ces derniers jours, nous on est en 2019, il était une année monsieur cap mettez griffe pour voir tout ça qu'il est capable de faire. Bien entendu. Donc c'est une bataille qui est aiguë. Donc on peut entendre Malène Bastien dans une interview que le fait côté t'avait expliqué qui gens que le parle mener bataille ça pour que le programme s'arrête parce que moi connais des cas, yo pas en pile mais il y a des monde qui gagne et parole la fini. Donc imagine au monde ça gagne parole fini là pour le renouveler le monde ça blanche là. OK? Donc voilà, on peut entendre interview que Malène Bastien te bail. Entendez l'ensemble. Malène Bastien directrice femme, c'est nous qui gens situation il y a qu'il y a problème réunification familiale qui gagne qui n'a pas trop blague à cause des décisions président. Oui, merci pour l'opportunité, hein, une autre fois encore. Et comme nous connaissons, le programme réunification familiale, son programme femme avec plusieurs autres organisations, t'es bataille pour lui pendant 5 ans, jusqu'à ce que finalement, président Obama, t'es signé l'autre exécutif, t'es approuvé lui en 2016. Mais malheureusement, depuis président Trump vient au pouvoir, il commençait à effriter le programme là, jusqu'à ce que, semaine dernière, là, il annonçait intentionné pour lui camper le programme là, net. Et décision ça a largué la troublée dans la tête en pile monde, des milliers de compatriotes haïtiens qui tapent tant en Haïti avec en pile espoir, ils tapent finalement recevoir l'aide de l'administration Trump là, même j'ai été confessé au président Obama. Pour demander pour y rentrer aux États-Unis pour vivre une résidence aux États-Unis. Et c'est ça, c'est peut-être ça, femme, t'es organisé, programme ça, pareil, et dépensant pile l'argent, organisé, mener mon Washington pendant 5 ans pour finalement joindre approbation administration Obama, parce que nous t'es pensé que Haïtiens en général prend plus de temps après tant le formulaire appliqué pour résidence pour eux, contrairement avec l'autre monde. Et l'on a regardé un programme et cubain yo gagné, le Cuban Family Reunification Program, programme réunification famille cubain yo. On a dit si cubain yo qui a obtenu résidence car rentré ici pour qui pas haïtien yo. Et c'est dans contexte ça, on a organisé pendant 5 ans avec un pile fait un pile sacrifice, un pile voyage pour descendre Washington pour ça arriver. Donc décision ça pour administration Trump là campil là son décision qui vraiment mettait en pile et la troublée dans l'esprit monio comme parce que comme on dit yo t'a réellement tant ce qu'on c'était sec t'es sèche captain la pluie pour yo te recevoir l'aide ça. Nous avons gagné une jeune dame qui t'est parlé dans presse conférence la matin qui dit que lui-même était gain chance les vini et les grands pile zanmi en Haïti qui gain problème yo kidnappé famille yo kidnappé yo gagné qui mon yo arrêté qui dans prison en pile pays en pile problème en pile insécurité il dit que ça que il t'a remé même chance t'est gain pour l'entrée vinn dans résidence li ici hein il t'a remé que l'autre frère Axel en Haïti et ben gain même chance là et lui-même gon seul il dit capitaine lui-même il gain chance les vini mais il gon l'autre seul lui-même capitaine. Donc nous même dans centre femme là nous déplorer décision ça c'est ça que fait nous t'ai organisé conférence pour la presse ça pour non en dénoncer décision raciste et xénophobique ça et non pour non dit tout et montrer intentionnant pour nous bataille pour empêcher administration Trump là et fini avec projet ça et qui ça a fait pour affronter problème et bon. Et comme d'habitude, non immédiatement nous prenons nouvelle là, nous commençons à travailler sur stratégie. Et stratégie en ligue 3 parties. Même j'ai noté fait pour protéger 58 000 haïtiens sous déportation pour question TPS là parce que les 58 000 haïtiens étaient supposés déportés en Haïti et le 22 juillet 2019 là se passé là, mais à cause de stratégie ça yo et nous avons une chance sans femme là, une chance à protéger mon ça yo. Eh bien, on a utilisé même stratégie à 3 niveaux. Dans le premier niveau, hein, son stratégie à niveau local. Côté chaque 2 semaines, on a une réunion là, avec un monde dans la communauté, hein, pour nous développer stratégie. Et pour nous ramasser histoire. Monde qui bénéficiait de, programme réunification familiale là, déjà, qui est aux États-Unis. Nous avons même tout, tant d'histoire, monde captain en Haïti, captain, depuis des années en Haïti, pour date priorité ou rivée, nous avons même tant d'histoire, pour qui ça, yo pensez programme ça t'a bon pour yo, et nous avons même tant d'histoire, yo, utiliser histoire ça, yo, pour attirer attention la presse, attention média,
ak pense tout organisation droit moun yo et notamment utiliser histoire ça tout pour protester devant bureau immigration pour faire pétition coup de fil et entraîner membres non yo pas vrai pour yo faire coup de fil pour yo reler membres congrès yo sénateurs démocrates et républicains pour dire yo pour yo mettre pression mandé yo pour mettre pression sur président Trump pour pas camper programme là nous fait training pour yo le vinn dans nous bail information non premier temps dans une réunion communautaire ça yo nous fait training pour yo pour montrer yo comment pour parler parce que nous même fraction yo nous connaît qui j'en aurait nous parler long donc nous tellement parfois nous tellement parler le non relé ça information qui est important pour nous bail là nous pas bail donc nous fait training ça pour nous montrer mon yo le relé même congrès Washington comment pour yo et bref pour yo baonti pas pour yo parler très 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 et brèvement pour très courte et puis pour yo rentrer directement dans mandé ça vous voulez donc training ça yo il a continué là le 20 août dans réunion communautaire le 20 août qui va venir là donc nous avons une stratégie à niveau national côté n'a continuer mener mon yo Washington même j'en ai fait pour bataille pour statut protégé pour camper déportation mon qui statut protégé yo mener mon yo Washington pour yo même pour utiliser propre voix pa yo pour parler avec membre congrès yo républicain et démocrate dans Washington malheureusement nous gain men nous rempli déjà avec question bataille pour tipier ça connait son l'autre bataille encore nous va l'obliger à ajouter mais nous pensons que son bataille nous doit faire donc son en bataille à niveau congrès. Et puis troisième étape bataille là, son bataille légale et nous comptons le avocat Ira Kurzban, une pigou avocat aux États-Unis qui était fait administration trop plein procès et ça cause de procès ça non gagné et femme c'était une plaintif dans procès ça et qui fait qui était protégé 58000 haïtiens de déportation et bien nous était bien content le il était parlé dans presse conférence ça dans conférence pour la presse là il était un bail opinionné sous décision administration Trump planté prend pour camper un programme réunification familiale il était tout annoncé administration Trump plan tout si il pas échanger décision ça pas vrai ou bien s'il pas renoncé à intention pour prendre décision ça eh bien lui-même j'en t'ai fait pour ça tu protéger il pourra mener administration Trump plan en justice l'a fait au procès donc on était content entendre ça parce que nous connaît et nous conscient le un président qui est élu qui a supposé respecter la loi qui décide pas respecter et puis cap bail en série de l'autre groupe blanc j'ai vête cap rentrer dans pays en chaque jour bail toute opportunité et opportunité qui existait pour bénéficier immigrants noirs et livler détruit tout donc nous content le nom t'étendé avocat Ira Kurzban t'a dit eh bien il disposé là pour lion l'autre fois encore mener administration dans procès dans tribunal parce que le président pas veut respecter la loi heureusement non pas dans dictateur non pas dans pays du côté gain dictateur heureusement le président pas respecter la loi non gain recours à tribunal pour forcer lui respecter la loi non gain recours la justice gain pays pas gain recours ça tant que pays d'Haïti non connaît et pas qu'un recours ça président le fait ça yo vle le monter au pouvoir yo vole yo fait tout ça yo vle pas gagner aucun recours mais aux États-Unis heureusement son pays même là gain problème avec son pays de loi et gain recours à la justice et n'a fait et tout ça capable pour protéger programme réunification famille haïtienne. Madame la directrice femme la voix de l'Amérique, merci. Merci.